pensé, mais je vais montrer un autre logiciel qui est un logiciel gratuit qui peut être intéressant en physique. Il doit être en train de... Voilà, il a démarré sur l'autre écran. Hop. Ah mince. Est-ce que je vais arriver à le changer d'écran? Je suis pas sûr d'arriver à le changer d'écran. Je peux pas vous le montrer. Ah. Bon, ben, je peux pas vous le montrer. Il est sur le deuxième écran et ben, je peux pas le montrer. C'est un logiciel un peu particulier qui ne veut pas se déplacer. Donc, je ne vous le montre pas. Je vous ai montré un autre à la place. Je vous décris juste le principe. Là, c'est une copie d'écran. C'est un logiciel de physique. Alors, vous voyez, on voit de l'eau. Ici, là, de l'eau. Hein? Alors, je l'ai tracé en bleu, sur fond bleu. Je vais le faire d'une autre couleur pour qu'on le voit mieux. Hein? Donc, il y a de l'eau et des objets. Hein? Celui-là, j'avais décidé qu'il était en or. Celui-là, il est en bois, donc il flotte. Celui-là, je ne m'en rappelle plus en quoi. Et celui-là, il était en hélium, donc il était en train de s'envoler. Voilà. Donc, c'est un logiciel de physique qui permet de tester des phénomènes physiques. Ça s'appelle AlgoDoo. C'est gratuit. Ça permet de faire de l'optique aussi, ou des engrenages, des choses comme ça. Enfin, donc, c'est sympa à utiliser au tableau interactif. Toujours pareil pour faire réfléchir les élèves, les faire analyser, réfléchir. Qu'est-ce qui se passe si on augmente la densité, etc. On peut changer aussi la densité du liquide.